avec une société patriarcale, que les hommes dominaient partout. Madame majorité dans le pays, madame fait prière dans l'étude, pourtant madame minorité dans le Parlement et dans le post-top management, dans le service civil et privé. Nous représentons plus que la moitié de la population du pays et il est normal qui bisait partage par responsabilité. L'année prochaine, ça vous fait 70 bananes que madame finge le droit de vote dans sa pays-là. Et il est normal qu'ils ont dit, bisait reconnaître madame sa compétence et efficience à tout niveau et dans tout secteur. Ici, c'est l'occasion pour un hommage, 5 madames qui filment l'histoire du pays. Nous finissons choisir, reproduire les autres photos ou fabriquer les autres. Madame Emilienne Rochecoute, Madame Issa Damou, Madame Noëlly Chicoré, Madame Razamani Pounoussami et Madame Anjale Poupen. Nous rendons aussi un grand applaudissement pour Madame là, c'est une idée dans un moment très difficile de l'histoire. Nous rendons aussi hommage à toutes les femmes laboureuses. Ma femme ouvrière, artisan, ma femme PCR, ma femme entrepreneur, ma femme chef d'entreprise, ma femme artiste, ma femme sportive qui finit faire beaucoup de sacrifices pour que nos pays progressent. La femme mauricienne qui joue un rôle majeur dans le développement du pays. Nous condamnons toute forme d'intimidation ou violence contre ma femme. Nous aimons, Zodi. Une pensée spéciale pour les femmes victimes de violences. Et nous qui avons perdu la vie récemment, nous sommes solidaires avec les autres femmes. Intégrité femme, bien important. Pendant qu'ils ont dit nous pouvons célébrer la journée internationale de la femme, partout dans le journal, dans la rue, du monde peut dire qui première fois dans l'histoire du pays, jamais fin arrivé avant que autant madame qui dans un poste clé la République paie extra famille grand matin tantôt. Zondi peut pointer les doigts des plus grandes institutions du pays. Ça va faire honneur femme du tout, peut faire femme honte. Ça combat qui nous peut amener pour égalité hommes-femmes, n'y pas concerne 6 femmes. Nous reconnaître que mission aussi important. Et c'est ensemble, hommes et femmes, la main dans la main, qui nous pourrait ici avancer. Aujourd'hui, c'est le 5 mars. Nous pouvons célébrer la Journée internationale de la femme, le dimanche. Le 8 mars, Journée internationale de la femme, c'est décrétée par les Nations Unies. Et là, aujourd'hui, nous là ensemble pour célébrer ça également là. Mais pour cause, un peu l'autonomisation des femmes. Ça veut dire tout un processus qui rend les femmes plus fortes et plus confiantes, surtout dans le contrôle de leur vie. Et aussi, pour réclame ce droit. Première fois, en 1909, dans l'Amérique, qui célébrait Journée internationale de la femme, et après 68 ans, Nations Unies, qui décrète l'Internationale Journée de la femme le 8 mars. Selon la première journée efficace, en 1975, pendant la grève qui m'a demandé de faire en Iceland, c'est qui t'y montrait la voie, il montrait chemin pour la première dame présidente dans le monde. C'était Madame Vigdís Finnbogadóttir. Bon Dieu, il crée race humaine, mâle et femelle. Et nous appelons les autres humains. Dans toute la Bible, qui lit le Coran, qui lit la Bible, qui lit le Guide,
dans le hinduisme. Nous trouvons, mon papa dans le verset, mon papa dans le paragraphe, moi il a lu, et pour dire, quand nous dire, homme égal à la femme. Mais seulement, pareil comme Adam et Ève, Ève tiena beaucoup plus qu'Adam et il complémente Adam. Mais seulement, pourquoi nous demandons toujours la question, la discrimination? Dans le monde religieux, comment nous dire dans la Bible, le Coran aurait dit, le Gita, mena égalité du genre. Ça veut dire égalité du genre, mais pas maintenant. Mais qui fait qu'il y a la discrimination et puis continue et la discrimination. Je fais quelques vidéos et là où tout le monde qui travaille. Tchatcha Rangoulam qui toujours fait la place à madame. Vous fait prouver madame Rayleigh. La Chikore, madame Emilia Rochecourt, madame Radha Pounoussami et Stéphanie Ndiaye pour répéter, et surtout Anjali Koupen. En 1936, le 12 mars, quand il y a une milité pour le droit de travailler, nous tiendons une madame qui est présente par le nom de Anjali Koupen. Sa madame-là, il amène sur la ligne toujours, et on trouve les panthères fusillades. Ce petit bébé dans ce ventre, il donne sur la vie, il sacrifie sur la vie pour ce pays. C'est le moment où nous fait attendre. C'est quand même ça. Vous remerciez tout d'abord qu'il y a une dimanche de nous déplacer en si grand nombre. Vous venez soutenir partie ce dépôt pour défendre mon droit, Sainte Madame. Vous pour faire une réflexion, qui fait nous célébrer Journée internationale de la femme, mais nous pas célébrer Journée internationale de l'homme. Vous voyez, parce qu'il fait tout faire ça, parce que ce n'est pas une fête, ça, on veut dire, ce n'est pas une célébration. C'est une journée des droits de la femme. Parce que, madame, pas tellement les droits de la femme. En quoi il y a une discrimination? Mais les gars, pour réaliser, avant 1947, une femme n'a pas le droit de vote dans Maurice. Pour réaliser une madame, pas le droit d'ouvrir un compte là-bas pour son nom. Il n'a pas le droit d'acheter une la case pour son nom. Donc, il n'a pas le droit. Il se faisait subir, comme si je dirais, son rôle, il subjuguait. Il soumis à son mari. D'après, à l'époque-là, il vient rester dans la case, il vient quitter les enfants, lui manger, faire la cuisine, laver l'aise, ça, c'est son rôle. Il fait donc un droit pour lui. Ça, sans moi qu'il trouvait une arrivée pour madame là, il est arrivé grâce à Zéro, le tribun du Bois-Corbaïs. Parce que, et vous voyez, même, c'est imaginé, à l'époque-là. Zodi, dans l'époque, ça veut dire ça, pas de monsieur. Zodi, en quoi il y a un monsieur qui a une mentalité qui va dire le supérieur. En quoi il y a un monsieur. Imaginez-nous, à l'époque-là, c'était le récord dans l'année 1940. Qui mentalité avait ce qui. Vous connaissez, moi, dans le parti, même, c'est la manière de ne pas d'accord pour faire cela, madame. Mais seulement, nous persévérons. C'est pour qui faire pour travailler soutenir Mme Rochecourt, premier madame, qui est un candidat indépendant dans le conseil législatif, comme ça appelait ça à l'époque-là. Parfois, les mots de notre candidat, vous voyez, c'est incroyable que madame Isaac d'amour, c'est qui l'époque de mes côtés, qui premier madame conseillère municipalité de Pau-Louis sous bannière pour travailler ici. Mais nous n'avons pas calculé, nous avons fait progresser. Je vous dis, parfois, nous avons une mentalité, on va dire qu'il n'est pas capable, pas capable. Il est capable. Vous pouvez aller la photo de Mme Bachikoré, première madame nommée par Serge Sagar de l'Assemblée nationale. Nous avons Mme Radha Pounoussami, première madame ministre de la femme, créée son ministère-là.
Parce qu'il y a un problème pour moi. À cause ça, crée son ministère. Mais plus important, constitution, la conférence constitutionnelle de 1965 à Londres. Une constitution qui est façonnée par rapport au travail sur lui. Mais sa constitution donne une garantie qu'il n'y a pas un droit de faire discrimination sur base gender. Pas un droit de faire discrimination contre le malade. Sa constitution garantie. Est-ce que vous connaissez dans un pays aujourd'hui, là aujourd'hui, et dans une place que Mme Sobira n'a aucune garantie. C'est un qui m'a fier, Lucie, de continuer dans sa bataille-là. Nous sommes premier fois Mme vice-présidente, Mme Rojane Belpour. Et mon visage dit où l'État a vacances, le poste président. Mon demi-premier choix pour vice président. Et je pense qu'on va nous présenter à Félix, je n'ai pas voulu accepter, je préfère rester guéri. Parce qu'il pense travailler sur le combat pour reconnaître le droit de la femme, il est constant. Je connais plus grand qu'il soit, plus grand pas. Il pense très bien, secrétaire général, Kayani Djali. Plus grand pas qu'il pense travailler sur le faire pour madame, c'est donner l'éducation gratuite. Un plus grand pas. Il y a beaucoup d'enjeux qui connaissent, qui n'ont pas connu, avant l'éducation gratuite, mes parents se préfèrent avoir des garçons à l'école. Parce que l'école payée. Alors, si finalement, le parti, c'était pour moi, il y a une école de ta case. Dans ce moment, ils ont occupé. Avec l'éducation gratuite, nous avons un vrai sens pour une madame sur l'émancipation. Première fois, nous avons une mesure, un paramètre pour madame, pour être capable. Il a accès au savoir, il est capable, il a les moyens d'épargner de lui-même, avec, il a les moyens de construire un avis indépendant. Première fois dans l'État. Un deuxième d'affaires, je ne sais pas pourquoi on va là. Depuis l'éducation gratuite, l'année après l'année, vous connaissez un petit peu un meilleur résultat que Mme Gorto. Vous voyez quoi de Mme d'affaires qui Kayani, Stéphanie mentionnait, mais nous qui amènons la loi contre violence domestique contre Mme Madame. Vous connaissez avant Mme Madame qui faisait subir toute qualité de violence domestique. Je faisais subir en silence. Aujourd'hui, nous sommes comme ça légalement. Et dans toute qualité de l'ordre de la cour, tout cas, mettez production order, le, et dans toute facilité. Vous pouvez dire seulement. Et n'est-ce pas, madame, pour une raison culturelle, pour une, peut-être pas ignorance aussi, parfois je hésitais pour faire une déclaration contre le monde qui est venu à l'école de Dieu. Nous vous encourageons. Nous vous connaissons qu'ils nous ont dit, je ne vais pas vous obliger à l'assistant manifestant. Et dans un centre d'accueil, et dans un centre d'hébergement qui pourrait travailler ce métier. Vous connaissez, avant de faire sa congrès-là, je vous dis, c'est la même réunion avec ma CLP, madame, surtout dans chaque circonscription. Je dis bien au secrétaire général, Kayani Djabou, écoute bien, pas si je fais réunion, pas si je fais lecture, écoute bien qui va de l'éance de madame, qui veut le souci de l'éance. Et parmi, il y en a plusieurs que vous mentionnez là, parmi, nous trouvons le ban de l'éance de dire que c'est chèque. Mais le mot pour un premier engagement en jeu, pour un plus d'argent, plus d'engagement. Plus d'accueil partout. Dans toutes les choses qu'elle a. Tout ça, même plan, ça n'a pas payé ça. Hein? Pas de dire, nous avons pas de monnaie, non, non, pas existé. Là. Quand on prend une poste de responsabilité, vous apprenez ce que vous pouvez faire. Et là, même l'affaire qui est arrivée avant. Vous réalisez, un groupe venu de cette limousine par l'eau. Je trouve la gazette pour 40 millions. Impossible, vous pouvez faire le deux, ça coûte le deux, qu'est-ce qu'il manque. Une limousine que je vais poser là, au moins 10 millions, ça a 7 euros, 70 millions, à moins que le gars, ça, tu couvres. Donc maintenant, un le deux, tu te fais pour rien. C'est le deux, tu te fais pour là. Pas le deux, à la cause de limousine.
Et non, même transaction là, on est qui passe là. Et non, même du monde là, fait si, qui ne laisse pas dans les affaires, pas pour nous rien. Il n'a plus de choses pas de dire. Nous disons qu'il y a une enquête correctement. Là, on est qui pour arriver là. Tout à fait pour tenter de trouver là. Pour tenter de faire un ami, faire une fausse accusation là. Vous ne pouvez pas exister pour arriver là. Il n'y a pas de coquin du milieu là. Mais l'enquête, tu vas faire. Nous, quand nous venons, nous pouvons faire ça. Je dis bien que les. Quand tu vas mourir, ce qui est arrivé, voler, c'est la fin de ce camarade de voler. Mais laisse-nous péter. Nous venons demander qui s'est en prendre le dos. Qui s'est en cacher le dos de la carasse. Ensuite, tu connais. Et non, ministre Soumana, nous prend le dos là, sans dire là. Pas n'importe lequel là. Et non, fonctionnaire prend le dos. Et non, mais les autres familles pour le dos. Vous venez à ces heures. Et non, casse qui me déroule, et non, casse qui me rentre dans la compte aux choses. Je demande que ça n'a rien à compte aux choses. Mais vous avez connu tout ça là. Hein? Tu as mis une façade aux choses, toi. Je vais la trouver. Je vais la. Et pas après tout, au milieu, là, plutôt au milieu, là, si vous voulez. Pas de décor piégé. Pas de combo golfant tombé, non, c'est faux. Et dans quoi que ce que je dis, je ne dis pas pour prier, il y a un peu de salaire sur la grille, on va trouver un magasin pour ça, par exemple. Dans le cas, c'est là-bas, c'est invité pour ça. Il n'y a pas pour prier comme ça, mais là, le bizarre, la langue est approfondie et bizarre, la vérité éclatée. Et nous vous avons félicité de l'express. Moi, je vous avais déjà plus de minutes, je vous avais déjà plus de minutes. Et à quoi vous avez l'express? L'express, pas trop calé, ça. Personne parce que vous connaissez là. Probablement, il est en Portugal. Là-bas, qui ne connaît pas aucun juge mis à oublier. Mais en Portugal, il y a un peu qui peut connaître dans le monde. C'est pas comme Amsterdam, tu vous connais. J'en ai un député de ça et là-bas. Il faudrait une arrêtée dans Amsterdam pour connaître. C'est pourquoi vous dites que vous avez une enquête approfondie. Et un bien affaire que vous dites en passant. Parce que tout le monde, il fait que j'en passe ça va ici. Méritocratie, c'est la clé de progrès un pays. Et la langue plus démotivante qui vous enfant à l'école ou faire sacrifice, soit pour une université ou pour une université de haut, de retourner, il n'y a pas qu'un palier, vous n'avez jamais gagné, vous en avez une jeune, madame. Il y a un degré d'ingénieur, mécanique d'ingénieur, nous pouvons plus dire mécanique. Mais ça va la cause de sa famille dans le pays, il n'y a pas rien de travail. C'est comme ça qu'il faut l'élever. C'est comme ça que vous voulez comme Singapour. Singapour, vous travaillez dans quelle interférence ministérielle? Meilleur, gagne meilleur. Allez, même docteur à Singapour, qui m'a fait faire. Pas rien de la bouche, moi, je vais gagner ici. Pas rien de faveur, tout est fait de méritocratie. C'est pourquoi on a créé l'école d'opportunité comme je l'ai dit. Chance, commission, chance égale, et nous tenons nos camarades, Brian Gouleva là-bas, indépendant. C'est là que nous disons, nous, là. Ça ne pourrait pas être un travail ici. Un petit peu indépendant. Et vous direz, moi, dit, comme un homme dit, moi, j'ai dit, monsieur Gouleva, vous faites au travail que mon président parmi l'organe ministre de l'Intérieur. Et les gars, je vous ai jamais monté pour niveau de rien. Vous voyez, l'examen, ça va faire ça. Dès mon ministère, je vous ai dit, démobilisation de moi, c'est pas le choix. Je vais pas connaître ma vie, je vais pas connaître ma vie. Ça m'a fait. Elle défend de Dieu, ma vie, si tu te fais venir dans le monde, c'est comme ça que nous avons progressé. Nous faisons quoi dans ma nation? Là, c'est du monde qui mettait dans l'école d'opportunité là. Mais, il peut faire un niveau là. Parce qu'il ne peut pas faire fou il peut pas mentir d'ailleurs. L'idéal, il peut créer ce dossier qui s'en a pas tenant aucun dossier. Ça m'a fait pas tenant. Madame Chumika, ce que c'est, ça me dit qu'il va d'accord, il trouve un Chumika, ou toi, un Dimon, qui a parlé de la Sylvie, il prend un Dimon, il n'y a pas connu les gens, il n'y a pas. Tu viens de manger une déo, lui, il n'y a pas connu les gens, il n'y a pas connu les gens. Mais comme ça, il y a un peu de nous accepter. C'est pourquoi nous avons besoin de parler pour montrer qu'il est important que nous réagissions, nous passions dans la case, nous avons des télévisions, nous disons qu'on a changement. Seulement faire l'autre terrain, viser la vie, viser pour Angalé. C'est pas le sens de nous. Angalé, pas tout le temps sur la case, il dit enceinte, un enfant de ce monde.
Mais nous devons nous battre pour nous. C'est pourquoi je dis, nous devons conserver nos esprits, voter et défendre l'intérêt, madame. Voter pour défendre l'intérêt et rassembler.